une vierge, naîtra un jeune garçon qui prendra le nom de Manuel. Qu'est-ce que ça arrive avec la guerre? Je te le dis aujourd'hui, quelque chose de nouveau naîtra dans ta maison, dans ta famille, dans ton service, qui prendra le nom de Jésus de Nazareth. Cette parole est vivante. Elle est vivante. Aujourd'hui, quelque chose doit naître de nouveau dans ta maison, dans ta vie, qui prendra le nom élevé de qui? Emmanuel. Amen. Flo. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Cet enfant mangera du crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache le mal et le bien. Dieu ne donne jamais ce qu'il a fait. Et s'il a dit, cet enfant va boire le noir et manger. Il a parlé du crème. Vous aimez trop les crèmes. Vous aimez le miel jusqu'à ce qu'il connaîtra le mal. À partir d'aujourd'hui, là, tu es en pleurer. Le crème et le miel vont rentrer dans ta maison. Au nom de Jésus, c'est pour rentrer dans ta maison. Parce que tu as déjà connu la vertu. Tu dois sortir dans ce combat. Et tout ce qu'ils ont dit n'auront jamais loué. C'est l'homme chimie. Et avec tout cela, parce que Jésus, il est déjà au courant et il prend contrôle. Ceux qui ont dit que ça ne marchera pas, à partir d'aujourd'hui là, quand Dieu te dit, ça marchera. Au nom de Jésus de Nazareth. La parole nous appartient. Et Dieu a laissé la parole pour le vivant. Et cette parole à l'esprit. Et l'esprit là se mouvre au-dessus de nous. Ça lui donne de la révélation. Ça fait la délivrance. Ça fait l'élévation. Ça fait la guérison. Ça purifie. Ça lave. Ça démolit. Ça renverse. Ça abat l'ennemi. La force, la puissance de la part de Dieu vient de l'éternel des armées. C'est ça. C'est cette force-là. Il va à gauche, il va à droite, il vient de t'arriver. Amen. Il va à gauche, il va à droite, tu l'as avec Jésus. Amen. Celui qui a bâti sur le rocher, yes, rien ne touchera. Amen. Lui, le cheveu, parce que Jésus veille jour et nuit. Flo. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Avant que la bénédiction que tu attends là de tourner le temps, tous les adversaires seront confondus. Amen. Ils seront en déroute. Ils seront brisés. Alléluia. Et quand tu enverras ta chose, tu seras bien assis, tu n'auras plus la personne de cette envergure. Amen. C'est pour cela que nos bénédictions traînaient de foi. Parce que Dieu est en train d'assainir la route. Amen. Il est en train de frayer la forêt pour que tu aies une nouvelle route. Il est en train de préparer quelque chose d'excellence qui doit se produire. Alors il est en train d'abandonner ton adversaire, de renverser le plan des démons pour qu'il fasse un chemin. Et en faisant ce chemin, sortira la victoire de la femme de Dieu. Amen. C'est pour cela qu'elle en soit, le temps qu'elle en soit, ce qui t'arrive, sache le beau jour, amen, le jour de l'éternel. Quand le Seigneur va cracher le feu, il va cracher la puissance, il va montrer que tu es son élu, celui qui a choisi et celui qui a élevé. La preuve, Jésus va naître, ça a commencé à se dire des années. Mais le jour que Jésus est né, il est né où? À Bethléem. Les rois de la terre, les enfants de la loi de l'homme, de Bethléem, peut-il ne faire que de ceux de bien? Mon ami, le jour que le Seigneur va t'élever, même les docteurs ne verront jamais la place. Même les licenciés ne verront jamais la place. Même les milliardaires ne verront jamais la place. Quand Dieu fait sa chose, personne d'autre ne peut transformer. Amen. Ce que tu fais est toujours du miel, amen, du lait, amen, et du sucre. Amen. Et quand il donne en abondance. Amen. Quand Dieu élève, il élève en abondance. Amen. Quand Dieu guérit, il guérit en abondance. Amen. Tout ce que Dieu fait, il le fait suprême. Amen. Il fait tout suprême. Amen. Il ne fera pas de réchauffement. Il sait que derrière toi, les nations vivront. Le Seigneur a le droit de te donner en abondance. Et tu vas demander aussi en abondance. Et l'enfant de Dieu ne demande jamais un peu. Il ne doit jamais demander un peu. Parce que quand il demande,
demande beaucoup. Le Seigneur le donne beaucoup. Il sait que, pour les nations, les maisons de papa de Dieu, il devrait être béni, C'est derrière toi que les nations doivent être bénies. Donc tu dois demander beaucoup. Tu dois beaucoup demander. Parce que quand tu demandes beaucoup, le Seigneur te donnera d'une manière élevée. Amen. Bien-aimé, je vous aime. Amen. C'est pour cela que je vous parle en esprit. Pour un enfant que je donne en abondance. Amen. Et la Bible nous dit, chaque fois que nous allons donner en abondance, Amen. Nous recevrons en abondance. Amen. Vous voyez, ils sont venus pour détruire de tous les quatre coins. Dieu a dit non. Il n'est même pas au courant. Il a dit, ça ne prendrait jamais le fait. Est-ce qu'il y avait la prière? Jamais. Mon ami, ça ne dépend pas de la prière. Amen. Quand il y a la connexion, le Seigneur le vise en toi. Amen. La prière d'un enfant de Dieu ne doit pas passer 10 jours. Amen. Toute une année, toute une nuit de prière, et 45 minutes. Non. La prière dépend de la connexion que tu as envers Dieu. Deux minutes, une minute, deux paroles, ça fait 100 ans de bénédiction. Quand tu es connecté, une parole de bénédiction te vaut 100 ans de vie. Quand tu demandes une chose, tu n'as pas besoin de prier 10 000 ans pour l'obtenir. Et dès que tu as demandé, sans que tu l'aimes déjà. Et si tu n'as pas cette foi, tu n'auras rien. Ce qui nous tue, on finit de demander, on croit parce qu'il y a à manger à boire. Dès qu'on a faim, en deux jours, on dit que Dieu l'a même ne me veut plus. Il le jour est meilleur pour moi. Dès que tu as bien dit comme ça, est-ce que ça fait la foi? Bien-aimé, le vent souffle là où il y a la victoire. Amen. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, là où il y a le péché, c'est là la grâce de Dieu surabonde. Si quelqu'un veut chercher à être propre, qu'il sache qu'il doit d'abord reconnaître qu'il est pécheur devant le Seigneur. Amen. À ce moment-là, il demande la transformation. Amen. Le Seigneur le transforme, il expose, il éduque en sagesse et en esprit. À partir de ce moment, il sera un génie en terre. Ça se sécrète comme le vin, ça se sécrète comme... Je ne sais quoi vous dire. Nous devons vivre dans l'esprit. Amen. Dans l'esprit. Amen. Flore.